Alors ici, le moule bateau sur un petit cadre. Alors, nous n'avons pas réalisé ce moule au stage, mais je vous l'ai mis. Ici, c'est la mise en place d'un petit coffrage pour réaliser un moule bateau, tout simple. On voit que le cadre est quand même très compliqué. Il y a beaucoup d'ouvertures et il faudra couper au moment du démoulage. Voilà la coulée du RTVHR, dans laquelle on a mis un petit peu d'huile de silicone pour l'assouplir un petit peu, pour pouvoir démouler plus facilement. Voilà la finition du moule. Et quand le RTV va être pris, environ 5 heures, on retourne et on peut passer aux opérations de démoulage. Donc on tire sur le RTV et vous voyez que il va falloir couper au niveau où ça débouche. Alors on coupe une coupe nette et on peut démouler. Et quand on a mis de l'huile, on a un produit beaucoup plus souple qui là se justifie par la difficulté de cette pièce. Alors à l'intérieur, on a enduit avec de la poudre de cuivre, puis coulé une résine polyuréthane réactive bicomposant, mélange un pour un, démoulage en 20 minutes. Et vous voyez que la poudre de cuivre s'est déposée sur la résine. On va maintenant faire un moule par coulée sous chape. Donc on protège le sujet avec du papier d'alu. La coulée sous chape nous permet de contrôler l'épaisseur de RTV. Donc on se met le moins possible. On va venir recouvrir le sujet avec une épaisseur d'argile d'environ 1 cm sur toute la surface. La couche d'argile est uniforme. On a mis une petite tige de coulée. Maintenant, on fait une petite chape de plâtre renforcée avec notre tissu de renfort. Une seule couche suffit. Voilà, la chape est terminée. On vient maintenant couper pour déboucher la tige de coulée et on démoule. On va retirer l'argile qui est à l'intérieur de la chape. On doit conserver cette argile puisque c'est la même quantité que nous avons besoin pour couler. Alors on replace la chape sur le sujet. On fait une étanchéité avec un joint de colle ou avec une bande pâtrée et on coule le RTV. Ici, c'est du RTV R20. Qui est coulé le plus haut possible pour que les bulles aient le temps d'éclater avant d'arriver sur le sujet. On peut démouler. Vous voyez qu'on a un moule ici qui est encore plus souple que tout à l'heure et dont on a contrôlé l'épaisseur, donc on a consommé moins de produit. Alors c'est moins visible pour un petit sujet comme celui-là, mais pour un grand sujet, le moule par coulée sous chape réalise une très grosse économie de RTV. Il a été coulé donc en résine polyuréthane réactive chargée de microsphères de verre pour l'alléger et lui donner la densité.